Bonjour YouTube, Briard top lane. On s'est dit que la seule lane où elle serait viable en dehors de la jungle serait la top lane. A mon avis, pas tant que ça. Hein. Je pense pas qu'elle soit si viable en top lane. Qu'est-ce qu'on fait en starter sur le champion? L'âme de Doran, hein, je dirais. Hop là. Hop là. Donc, on va tester le build de Gudul. Gudul qui nous a cook un build. Le build étant... je sais plus. J'ai déjà oublié. Merde, attendez, j'ai F11. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai foutu mon OBS en plein écran. Boum. Stridebreaker, couperet. Et BRK. Vas-y, on va commencer par Stridebreaker quand même. Je sais pas si on start Q. 13 secondes. Le Z est quand même bien, j'ai l'impression. Après, le Q est bien pour disengage, je suis contre Gwen. Elle a un Ignite, par contre, faut que je fasse gaffe à ça, évidemment. C'est le champion qui joue TP Ignite, là. Elle va bien mentir, ça va être chiant. Il y a une Vuslane Amumu qui dit « Deviens mon ami », et Briard veut devenir ami avec les autres. Amumu, Briard, best friend. Ils sont un peu loin, quoi. D'ici à ce qu'ils se rencontrent, ouais. En fait. Ouais, vas-y, moi j'ai dû. Vas-y. T'es content de ton trade là? Merde, j'ai raté un creep. Par contre, niveau 2, je la tue. Hein. Il y a un monde où niveau 2, je la tue. Hein. Let's go! Ah dommage, je me suis fait voler le First Blood. Il a voulu trop faire le fou avec moi. Bon, j'ai raté plein de creeps, mais ça valait le coup. First Blood. Enfin non, pas First Blood du coup, parce que Warwick. Mais... Il a voulu faire un peu le foufou. Merde. Oh là là. La stit sur le PBE, hein. Plaisir. C'est pour ça que j'aime bien jungle. Ok, moi j'ai le E. On va lui mettre une grosse wave sous tour, elle va galérer à farm, ça va être bien. On va back. Le cheater back, pas du tout. Ah, j'aurais bien aimé back avec une pickaxe. J'ai raté trop de sbires. En vrai, ça c'est bien déjà. Quoi? Pourquoi je peux... je peux cancel ma TP avec le E? Non. J'avais pas envie d'essayer, j'avais un peu peur que ça le fasse pour de vrai. Attendez, en vrai, je vais mettre dans le bush. Je vais mettre là. Oh, elle a déjà plus de mana quoi. Ok. Merde, oh j'ai troll. Oh j'ai fait une nimp. Oh j'ai cancel mon Z et tout. Ouais j'ai eu trop vite. Ah y'a Lilia. Ok, bien joué. J'ai du mal à la stit. Non c'est grave. Bon après là, tu me diras la 7 CS. Là. Oh, elle meurt pas. Ah, dommage. Ah si, let's go. Merci, Lesbien. Bon, je suis plus à l'aise en top lane en jungle, enfin que en jungle avec le champion. J'espère que c'est pas annonciateur que le champion va... Merde. Oh, j'ai raté le canon. J'espère que c'est pas un signe annonciateur que le perso va devenir top lane. Après, c'est une Gwen qui connaît pas le matchup, donc... Ah ouais, bon elle est niveau 3, elle essaie de me trade aussi, genre. Elle est niveau 3, elle a pas d'item. Qu'est-ce que tu fais? C'est une plate, ça. Personne ne fait pas peur. Un peu, hein. La Gwen, bon. J'ai vraiment envie de gratter cette plate, mais je fais pas de damage.
Est-ce qu'on peut faire ça, Jean? Ouais, bon bah là je suis coincé. Ouais, c'est le problème du champion, c'est que si tu te fais gang pour le coup, faut soit courir, soit mourir et tuer quelqu'un. Ouais, tu tombes contre un perso qui a du CC, c'est plus compliqué, je pense. Là, c'est que le mec ne connaît pas le match-up. Et il connaît pas mes dégâts et tout. Il a voulu me trade en early, alors qu'en fait, j'applique un stack de dots qui me soigne. Et j'ai conquéré, c'est pour ça que j'ai vraiment... J'ai win le 1v1. T'as un Free Baker qui joue mieux Warwick que Baker, qu'est-ce que c'est que ça? Wouah, les dégâts du Z en zone sur les sbires par contre. Ça, faut qu'il nerf ça. Hein. Elle va vraiment jouer top lane en fait. Oh, le wave clear, vous avez vu ou pas? Genre, regardez. Regardez, ça fait plus de dégâts qu'une Hydroras. Quoi ce délire? Ah non, j'aurais dû juste auto-attaque en fait. Avec le ping et tout, j'ai cancel des autos. J'aurais dû juste spam auto. Et j'ai pas beaucoup d'attaque speed. L'hydre, c'est pas insane. Ton ult. Bah, l'ult au corps à corps, il met 1000 ans à se charger. Ça sert à rien de le faire au corps à corps, l'ultime. Est-ce que elle va. Attends, est-ce que la Gwen va taper la tour? En vrai, si elle gratte la plate, je vais l'ultime. Par contre, y'a moyen que si elle fasse son Z, ça dodge mon ult. Bon, on a rien vu, on a rien vu. Tant pis. Juste la go là par contre. Merde. Sinon dans le lore du coup apparemment Briar elle a été créée de A à Z avec du sang genre. C'est vraiment du sang. Genre ils ont pris du sang, ils ont créé avec de la magie, ils ont fait un humain quoi. Enfin un humanoïde. Ok. Ça pour finir le trade, par contre j'aurais dû faire le fouet. Oh la team de cons qu'on a. On a Vex, Warwick, Naafiri, Briar, ça va courir dans tous les sens. Par contre, je la tue là en vrai. Fais quoi? Bah ouais, mon pote. Respecte-moi. Tu as 3 PV. Est-ce que je peux te détruire la tour avec mon Z, genre? Ah non. Ok, la Frenzy ne proc pas sur les tours. Bon, ça c'est un avantage pour la jungle. T'es en custom? Non, je suis contre des... Des mecs du PBE aléatoires. Je suis contre des aléatoires. Par contre, le wave clear de ça, le wave clear du Z, c'est une dinguerie. Ok, je vais back, je vais avoir mon ult. Je back sous la tour, j'en ai rien à foutre, regardez. Watch me. Ou watch me, watch me, ou watch me. Hop, stride breaker, bot. Irelia qui va se barrer par là, on va ulti, là. Non! Mais continue! Putain! Mais pourquoi? Oh, fais chier. Non. Mais vas-y, ils font pas ce que je veux aussi, les ennemis. Regarde, démolish Trinité. Oh, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit ouf, démolish Trinité. De base, le combo. Démolish, ça proc sur les PV. Sur les PV max. Faut être tanky. Ils ont. Merde.
Je vais mettre une auto-attaque dans le vide. What the fuck? Mon perso, il a fait l'animation d'auto-attaque dans le vide parce qu'il n'y avait plus de sbires. Normalement, ça te cancel l'animation, je crois, non? Bon, pour l'instant, les deux ultimes, bon. On va faire comme si on n'avait rien vu. Merde. Non. Ah, je connais pas mes dégâts, je rate tous les sbires, c'est terrible. Qui ose me ping, là? J'essaie de m'éloigner des sbires juste pour qu'il s'approche un peu, j'ai envie de lui mettre un trade, mais... Elle joue trop safe. Ah merde, elle était sur l'Herald, j'avais pas vu. Oh mon dot! Eh oui, parce qu'il y a un dot, c'est vrai ça en fait. Il y a mon passif qui les crame, hein, genre. Ils se rendent pas compte, hein. Ils se rendent pas compte que je suis. Je suis supérieur. J'ai envie de la dive. Là. Hop là, regardez bien. Ça touche ou pas? Ça touche pas, bon, dommage. Regardez ce wave clear. Les gens vont la jouer top, hein. Je pense que les gens risquent de la jouer top. Bon, après, ça dépend des match-ups, hein. Il y a des match-ups où c'est free, je pense, et il y a des match-ups où c'est très compliqué. Essayez de voler des trucs, c'est mignon. Hop là, je les ai disengage. Rampage. Attends, en vrai. Ouh, je vais récupérer ça, moi. Ah bah non. Elle a troll, là. Désolé, c'est la frenzy, pas moi. Oh là là. Il est en 3-0 le Vigo, vas-y, attends. Coucou! Coucou! Oh, il est mignon, il veut s'échapper. Schlack! Ok, top lane, on y retourne. Ou mid lane, ça dépend. J'ai 3000 gold. Non, en vrai, je vais back et je vais revenir avec un ult. Hop là. En vrai, c'est très drôle. Hein. Le gameplay est drôle quand t'es feed, par contre. C'est vraiment très très con. Alors, attendez. Couperet noir, il est où? On suit le build de Gudul. Boum. Oh, viens prendre ta play, Tyrellia, vas-y. Ça touche normalement. Là, y'a pas grand chose à faire là. Je suis bien feds. Est-ce qu'ils auraient FFA 15, vous croyez? Y'a moyen. Ils aiment pas quand tu joues un nouveau champion et que t'as du fun. Ils aiment bien FF. Hop là, 745 de heal sur un camp low life. Oh mon Viego, oh my Viego là. Ah oh, putain, j'ai le zoom de ma souris qui zoom, c'est chiant. Merde. Merde. Mais arrête! Mais putain. Et oui, du coup, par contre, il devient fufu, donc mon perso, il va courir sur les sbires à la place. Terrible. Le CDZ commence quand tu l'actives ou quand tu le réactives, ça, j'en ai aucune idée, je t'avoue. J'ai pas fait gaffe. Bien joué, bien joué. Et j'ai un ult, en vrai.
Elle a pas du tout bougé quoi, je pensais qu'elle allait entendre le truc et... On est sur le PBE. Ok. Attends, le Z c'est 6 secondes de CD, ok? Et là j'ai 4 secondes, ok il commence avant. Et vu qu'il dure 5 secondes, j'ai 1 seconde de cooldown en réalité. Sur le Z. Ce qui est plutôt pas mal. Alors attendez, on va tester sur le Gromp. Un. Ouais, j'ai à peu près une seconde de cooldown. Une seconde, 1,6 secondes. Non! Ah si, ça touche les os. Bon, elle vaut pas trop cher, mais bon. J'ai plein de vibes de ce champion, genre j'ai des vibes de Sion, j'ai des vibes de Nocturne. Je devais de Warwick. Faire les stats des runes. 641 de heal sur le Conqueror. Je me rends pas compte si c'est beaucoup. Pour autant de dégâts que j'ai mis. Ok, le Stridebreaker est fort sur le champion. Le Stridebreaker est très fort. Je crois que je te vois pas te transformer en ward toi là. Viens là, viens là la ward. Hop là. Legendary. Tu vas tout pareil, Rivet Alive c'est bien ouais. 5% heal and shield power, ah oui j'avoue que c'est huge en fait sur elle là. C'est vraiment big sur elle. Par contre, j'ai envie de faire des berserk. Je sais pas si c'est bien. Bon, encore plus d'attaque speed. Vu qu'en fait, on n'a pas trop d'attaque speed dans le build. Je peux Z et AFK, c'est ça. Vas-y, on a déjà suffisamment de lifesteal là. En fait, j'ai pas envie d'ulti pour Gwen. La pauvre, elle est déjà en 0-8. J'ai bien envie d'ulti Lilia ou Viego. En vrai, Viego. Il va essayer de prendre la tour là. Faut que je mette un peu en diagonale. Attendez, je vais prendre ça. Faudrait que je mette un peu en diagonale sur l'ult pour que ça couvre une grosse distance. Genre comme ça. Nickel. Jure, ça touche pas là. Tu te fous de ma gueule. Ah, oh, je suis deg. Par contre, c'est vrai qu'on peut se déplacer pendant l'ulti. Scrunch. Hop là. J'arrive. Je suis là. Ah, désolé pour l'ulti Vex. On s'amuse. Hein. Bon, le stride est costaud sur elle, je pense. La move speed c'est cool. Je la croise ou pas? Le truc c'est qu'Irelia elle va dash de partout. Ok non. Bon elle est full stack, on va voir une Irelia full stack ce que ça donne. Ok. Un peu plus compliqué contre Irelia full stack, elle est en 2-9 hein, quand même. Elle a failli me détruire. Après elle a un ignite. Elle m'a ignite, elle m'a tout mis. En fait faut faire ça, faut Z,
faire ton combo d'auto-attaque et de buff d'auto là. Et à la fin, tu E pour tanker les dégâts, pour tempo, ton Q, remettre un stun et re-Z. C'est ça le perso. C'est très basique. Hein. C'est très basique ce qu'il faut faire avec le perso. Mais ça reste compliqué de savoir en fait dans les fights comment tu focus qui ou quoi. Oh là là. Oh, je viens vous chercher. Merde. Non, elle a Zonia, dommage. J'ai encore pris un Ignite. Ok. J'ai envie de faire une Hydre. Tu pourras prendre un screen du build que je t'ai MP et le mettre dans ta vidéo. Tu crois que j'ai le temps de faire de l'editing là? Il est marrant lui. En vrai le champion est pas très early. Bon là pour le coup on compte Gwen un petit peu. On compte Gwen un petit peu mais Mais c'est juste parce qu'elle faisait n'importe quoi quoi. Excuse-nous l'usine à vidéo. Je suis lama fâché. What the fuck. Je veux bien le tirer de buff là. Merde. Personne veut se montrer sur la map là que j'ulti. S'il vous plaît. Oh là là. Non, même pas, ça fait 2 heures qu'on enlève. Ah, je suis mort. De base, son ult devait te faire ressusciter, ah ouais? Après, je sais pas ce que ça aurait donné parce que du coup, t'aurais pas eu de dash et tout. Bon, il farme un PV le Vigo, il a pas peur. Ah non, c'était Nico, je suis con, mais évidemment. Oh, je suis fatigué. C'est logique. Ah bah Warwick est tombé dans le panal. Bonjour. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Pourquoi j'ai pas les homeguards? Ok, je vais peut-être pas t'attraper en fait. Quoique. Adieu. En vrai, le lifesteal a failli me sauver. Je l'ai mise mid-life quand même. Ah, par contre, faut pas me suivre. C'est un fou demi à me suivre. Il est fou. Soit tu go in et tu fear, soit réactivé et tu go in, tu te suicides et tu ressuscites en drainant les HP des ennemis aux alentours. Ah, ouais, d'accord. Ça, en général, ce genre d'idée, il les garde pour d'autres champions, donc méfiez-vous. Hein. Il les garde pour des champions dans le futur. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le rework de Nocturne le jour où ils le font.
Salut Viggo. Au revoir Viggo. Scrunch. Bonjour. Au plaisir. Je me heal beaucoup par auto. Ah, l'hydrovora c'est cool pour ça, pour ce heal. Waouh. Il y a un nouveau skin de Shyvana, on n'aura jamais le revoir. Oh non, ça veut rien dire ça. Je crois que Shyvana est vraiment dans la tête de Riot depuis un moment. Il y a moyen qu'en fait... Je crois que pour Skarner, après Skarner, ils avaient dit qu'il y aurait peut-être un rework surprise. Un nouveau rework sans passer par des votes de la commu. Et je crois que c'est Shyvana parce que je crois que Shyvana ça fait... trois fois qu'elle est genre 2 ou 3ème dans le dans les votes de la commu à chaque fois genre. Ok. Il est où Bébou Viego là? Ah il est là, merde. Ok, je commence à mieux comprendre le champion, c'est cool hein. Finir là-dessus, je pense, on va pas jouer avec la nourriture, quoique. Ah, ça me cancel, vous avez vu? Ça m'a cancel ma furie quand Gwen était immune. C'est marrant, ça. Adieu. Heureusement que j'ai le cul pour me rediriger. Non, j'aurais dû charger mon E un peu plus longtemps. Tempo plus. Oh bah ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on finisse. Oh le Sterak là. Oh le Sterak. Ça va m'aide bien. Le champ est vraiment cool, un peu trop de stats. Je sais pas s'il y a trop de stats. Après là je me suis fit de fou sur un mec qui joue, je pense, avec du ping et pas hyper bien. Et voilà, qui connaît pas le matchup parce que c'est la première fois qu'elle joue contre hein. Elle est en 3-14, donc forcément. Après, faut voir. Hein. Je vous dis, le champion, ce sera fort à bas elo. À haut elo, je pense que ce sera assez moyen. Pour ne pas dire pas jouer du tout. Faut voir. À très haut elo, j'entends. Hein. Je pense juste que vous la verrez pas en compète et peut-être en tchal. Y a peu de chance. Sauf 2-3 OTP, peut-être. Facile à outplay. Ouais, c'est facile à outplay en fait, c'est ça. Après, faut voir, hein, quelqu'un qui la maîtrise à fond, peut-être ça passe. On va essayer de solo Nash. On va en profiter. De toute façon, ils veulent pas qu'on finisse. Je vais tenter le solo Nash. Normalement, en 26-6, ça devrait le faire. Est-ce que je réduis l'armor du Nash? J'ai pas l'impression. Pas dans les fights. Il y a un monde où ils viennent me voler le Nash. Ah. Mon perso qui a automatiquement changé de focus, par contre, c'est ça le truc. C'est que vu que c'est un jungler, ce qui est un peu bizarre, c'est que quand tu fais un objectif, il faut que tes cibles soient mortes. Hein. Parce que s'il y a un random mec qui vient check l'endroit où tu es en train de faire ton objectif, ton perso il va commencer à courir comme un débile. vers le truc. Il va lâcher l'objectif complètement de vue. Mais c'est RP en vrai. C'est RP. Genre elle a des changements d'humeur, changements d'envie. C'est roleplay. Bon, mon petit Viego là, il a beaucoup de lifesteal. Je peux juste Q pour prioriser l'objectif. Alors si,
Mais tu vas que sur l'objectif, puis vu qu'ensuite ça va recalculer le focus, ben s'il y a toujours le champion ennemi dans la range, elle va juste repartir dessus. Donc ça va t'empêcher de go sur le mec pendant un temps, mais pas pendant longtemps quoi. Ah si, ça va stop. Ok, non. T'as peut-être raison alors. Peut-être ça stop le focus champion. Oh, dommage, elle a pas dash. Elle aurait dash sur le sbire là. Ok, la Irelia elle est en combien? Elle est en 5-12. En fait, j'ai beaucoup de lifesteal. J'ai lifesteal à travers son... à travers son anti. Et par contre, en fait, je pense qu'elle a voulu faire Frozen Earth pour moi. Mais c'est pas très malin parce qu'en fait, Frozen Earth ça donne beaucoup d'armor. Mais mon Q réduit un pourcentage d'armure. Il réduit 26%. Donc je m'en fous un peu de son. Son cœur gelé quoi. Oh Gwen. Attends, j'attends de voir où elle va. Elle va aller par là, genre. Let's go. Ok. Et je repars. En fait, je vais revenir. C'est un trap. Wait. Venez défendre. Ah, je voulais me lifesteal, mais j'étais encore sous hémorragie. L'ulti défonce. Il est marrant, l'ulti, hein. L'ulti est très satisfaisant. Il est très haut dans la tier list des ultis satisfaisants, genre. Bon, si tu le rates, par contre, pas trop. Attends, elle veut que je la 1v1, Lydia veut que je la 1v1 au baron. Elle va avoir un Morello là. Ok, laissez-moi 1v1 Lydia au baron. Elle veut 1v1. Elle va Zonia pour tempo et tout, mais moi je peux E pour tempo aussi. Vas-y, attends, laisse-moi l'1v1. Ok. Ouais, elle peut pas faire grand chose. En fait, je peux E son ulti. ~240% de ratio AP sur son E chargé, oui. Mais c'est 240% de ratio AD aussi. Hein. Là, mon E full chargé met 1247. Sur les ennemis knockback, par contre. En fait, si je touche un mur, ça aussi, ça fait 1200 damage. Attendez, je vais essayer de faire ça. Ah, ils vont finir, par contre. On a pas fini volontairement, ils vont finir. Oh, la gueule. Oh, the tronche. If they fini. Oh, ils sont sad. Ils sont cringe.
Oh, ils sont cringe. Mais bon, c'est des joueurs PBE, c'est normal. Mais on a vu le potentiel. Bon, on a gagné, en fait. Hein. On a gagné. Ça ne compte pas, la lose, là. Mais bon. Bien joué, ils ont gagné des LP sur le PBE. Bref, très marrant, Vrir, top. Faut voir, je pense pas que ce sera viable de fou sur tout le monde. Pas sur tous les match-up, mais très marrant, quand même.